Bonjour, mon nom est Isabelle Péchou, je suis la responsable pédagogique du programme Arte, année de réussite à Toulouse en économie. Cette année Arte est une année de transition entre la terminale et la première année de licence à l'université. C'est une année donc préparatoire aux études supérieures en économie qui va s'inscrire dans un cycle universitaire de 3 années. L'année Arte, l'année L0 et ensuite le L1, L2 économie ou le L1, L2 économie et gestion. Donc cette année Arte va permettre à un étudiant très motivé d'acquérir des connaissances nécessaires pour réussir dans ce cycle préparatoire L1, L2. Alors pourquoi Arte? Parce que à TSE, nous dispensons de l'économie mathématique. En effet, les mathématiques sont pour nous un langage, un outil qui va nous permettre de comprendre les notions économiques, que ce soit au niveau microéconomie ou au niveau macroéconomie. Alors les mathématiques, matière importante, mais également l'anglais. L'anglais est une matière capitale. Les masters à TSE, master 1 et master 2, sont presque entièrement dispensés en anglais, avec 50% de nos étudiants qui sont des étudiants étrangers. Donc, vous l'aurez compris, l'anglais et les mathématiques sont deux matières fondamentales pour réussir à TSE. Donc, c'est pour ça que nous avons aussi créé cette formation Arte pour permettre à nos étudiants d'avoir des bases solides dans ces deux matières. Arte a une spécificité dans son enseignement puisque nous avons un enseignement qui est à la fois dispensé à l'université, mais également dispensé dans un lycée. Le programme Arte a été mis en place en 2013 avec un premier partenariat avec le lycée Rive Gauche. Et au vu du succès de la formation Arte, nous avons créé une seconde classe dans le lycée Ozen qui a été issue d'un second partenariat avec ce lycée. Donc une classe Arte qui comprend à peu près une trentaine d'étudiants. Au sein de cette classe Arte, au lycée, il y aura 4 matières qui seront dispensées. Bien entendu, les mathématiques avec 7 heures de mathématiques par semaine, mais également l'économie, 6 heures, l'anglais, 4h30, et la culture générale, 2h. Donc ça, c'est pour la partie enseignement au lycée. Évidemment, ces enseignements vont être complétés par des enseignements à l'université où nos étudiants des classes Arte, Ozen et Rive Gauche seront à l'université mélangés avec les étudiants de l'université, les étudiants en L1 économie ou économie et gestion, et ils suivront des matières qui seront des matières de L1. Ces matières, quelles sont-elles? Ce sont les matières de gestion, où les étudiants suivront un cours magistral et des travaux dirigés, mais également l'anglais au semestre 1 et au semestre 2, et la statistique descriptive. Notons donc qu'un étudiant Arte aura de l'anglais qui sera dispensé au lycée, mais également de l'anglais qui sera dispensé à l'université, soit 6 heures d'anglais par semaine. À côté de ces enseignements de L1, économie et gestion, les étudiants Arte pourront avoir des bases renforcées en microéconomie, en mathématiques et en gestion grâce à des tutorats qui seront mis à leur disposition pour ces étudiants Arte. Enfin, ces étudiants Arte auront la chance de pouvoir avoir un cours qui sera dispensé juste pour eux, un cours d'introduction au droit, qui sera une vraie matière d'ouverture pour eux. Donc des matières au lycée et des matières en complément à l'université. Donc quels sont les objectifs finalement d'un étudiant Arte? Premier objectif, bien entendu, si cet étudiant est sérieux sur toute l'année, il va pouvoir valider ces 3 matières de l'université dont j'ai parlé, la gestion, l'anglais et la statistique descriptive, ce qui fait que l'année d'après, lorsqu'il sera effectivement inscrit en L1 économie et gestion, il sera inutile pour lui de les repasser. Et il aura donc un programme qui sera totalement allégé en L1 économie et gestion. Deuxième point, cet étudiant Arte a 7 heures de mathématiques par semaine, je le rappelle, avec des tutorats en complément, 6 heures d'anglais sur l'université et également au lycée, de l'économie et du droit. Et donc, l'ensemble de ces matières vont pouvoir améliorer ses compétences et ses connaissances. Donc, ces 2 points vont faire que cet étudiant Arte
bien que cette année ne soit pas diplômante, il va augmenter ses chances. Ça va lui permettre clairement d'augmenter ses chances de réussite en L1 l'année d'après. C'est vrai, je viens de le dire, cette année n'est pas diplômante, mais en revanche, nous calculons tout au long de l'année Arte une moyenne générale, une moyenne pondérée de l'ensemble des notes qui seront obtenues au lycée, mais également à l'université. Si l'étudiant Arte obtient la moyenne à l'ensemble de ces notes, il obtiendra un certificat de réussite Arte. Donc, Arte, ça c'est pour la partie, je dirais, enseignement, mais c'est aussi une façon de réfléchir et de progresser, de réfléchir dans son projet professionnel. Et ceci grâce à un partenariat que nous avons avec une association qui s'appelle l'association Article 1. Les étudiants Arte, effectivement, grâce à cette association, vont être mis en relation avec des personnes qui travaillent dans des entreprises, des tuteurs de grands groupes, citons Orange, Capgemini, pour leur permettre de connaître un peu mieux le milieu de l'entreprise. Il s'agira pour ces étudiants Arte de faire partie de certains ateliers pour améliorer leur CV, de rencontrer justement des professionnels du monde de l'entreprise, en quelque sorte de commencer à se créer un premier réseau. Une année Arte est clairement une année qui va permettre aux étudiants d'amener leurs connaissances au niveau des exigences de l'université. Alors, que faire après Arte? Bien entendu, au terme d'une année Arte, l'étudiant sera automatiquement inscrit en L1 économie et gestion ou en L1 économie. Ça, c'est la voie, je dirais, naturelle. Cependant, un étudiant, après une année Arte, peut, s'il le souhaite, repasser par la plateforme Parcoursup et candidater dans les doubles licences que nous avons également à TSE, qui est la double licence L1 économie et mathématiques ou la double licence L1 économie et droit. Chaque année, des étudiants Arte qui ont une appétence pour les mathématiques ou pour le droit candidatent dans ces doubles licences et certains de nos étudiants, les plus sérieux et les plus travailleurs, sont pris dans ces doubles licences. D'autres étudiants Arte, enfin, peuvent également repasser par cette plateforme Parcoursup puisqu'ils ont peut-être eu un goût plus affirmé, je dirais, pour la gestion et peuvent tenter d'intégrer la première année de licence à l'école de management ici à Toulouse, TSM, et certains candidats peuvent intégrer cette première année de licence. Donc, plusieurs voies possibles après une première année d'Arte. Donc, je le disais, après une première année d'Arte, la voie naturelle, c'est le L1 économie et gestion ou le L1 économie. Alors, que faire après cette première année? Bien entendu, on peut ensuite valider son L1 pour rentrer en L2 économie et gestion ou en L2 économie. Et après L2, économie, gestion ou L2, économie, certains des étudiants peuvent effectivement se destiner à l'école d'économie de Toulouse, TSE, c'est-à-dire le L3 économie, ou à l'école de gestion de Toulouse, TSM, en L3 de gestion. Ces deux licences 3 sont des licences 3 sélectives, mais chaque année, elles prennent des étudiants qui étaient issus de la classe Arte. Enfin, après le L2 économie gestion, certains étudiants toujours à UT1 Capitole peuvent être pris de plein droit dans la licence 3 économie société qui fait partie d'une autre composante de UT1 Capitole qui est la faculté d'administration et communication. J'ai parlé donc du L1, L2 économie et gestion, mais après le L1 économie et gestion ou L1 économie, certains étudiants qui obtiennent de très bons résultats dans les matières de droit, dans les matières de gestion, peuvent aller éventuellement en L2 à TSM, en L2 de gestion, s'ils obtiennent au moins une mention sur les deux semestres et pour ensuite rentrer en L3 de gestion. Enfin, les étudiants de L2 économie et gestion ou économie de Toulouse peuvent candidater dans d'autres licences 3, dans d'autres universités, L3 d'économie ou économie et gestion, ou enfin passer des concours passerelles pour intégrer des écoles de commerce.
Alors revenons peut-être au processus de sélection Arte, Parcoursup, qui va vous intéresser dès le mois de janvier. Arte est une formation sélective. Nous avons deux classes, j'en ai parlé, une classe au lycée Ozen et une classe au lycée Rive-Gauche. Donc nous avons une capacité d'accueil de 60 étudiants maximum. Si vous candidatez dans le programme Arte, vous pouvez avoir trois types de réponses, oui, oui en attente ou non. La procédure de sélection se fait en deux temps. Lorsque la première phase Parcoursup est terminée, nous étudions l'ensemble des dossiers des étudiants en regardant toutes les notes de première et de terminale, les mathématiques, l'histoire-géographie, la SES, l'anglais. Et également, nous sommes très attentifs à tout ce qui a été dit sur les conseils de classe et toutes les appréciations des professeurs, effectivement, ce qui est très important pour nous. Nous prenons en compte, effectivement, la culture générale de l'élève et son aptitude à mobiliser, je dirais, ses connaissances. Donc, j'y reviendrai, nous regardons un certain nombre de matières. Le public visé, quel est-il? Eh bien, il faut effectivement que nous ayons en face de nous des étudiants qui ont un vrai goût affirmé pour les mathématiques, même si ces derniers ont peut-être des lacunes en mathématiques, même si ces derniers n'ont pas choisi l'enseignement mathématique en terminale. Ça peut être aussi des élèves qui pensent qu'ils n'ont pas une maturité suffisante pour intégrer au sortir de la terminale une première année de licence à l'université. Donc, pour tous ces étudiants, l'année Arte, ça peut être une façon de, je dirais, rentrer tranquillement dans le système universitaire et d'améliorer réellement ses chances en première année de licence. Donc, je le disais, voici un peu les prérequis pour entrer dans l'année Arte. Nous allons tenir compte de la culture générale, de cette aptitude à mobiliser vos connaissances. Nous sommes particulièrement attentifs aux appréciations des professeurs, à la motivation de l'élève et aux capacités de travail, particulièrement au comportement. Hein, je regarde très attentivement l'ensemble de tout ce qui est signifié par les professeurs et notamment le comportement des étudiants, de nos futurs étudiants. Donc, voici une présentation un peu succincte du programme Arte, qui n'est pas très vieux, je vous le disais, qui a été créé en 2013, mais qui grossit petit à petit avec une seconde classe. C'est une façon de rentrer dans, je vous l'ai dit, en transition tranquillement dans le système universitaire. À la fois, on est mélangé avec les étudiants de L1 et à la fois, on est bien encadré puisqu'on travaille encore en petit effectif dans un lycée. J'espère avoir été assez claire, mais je serai ravie de pouvoir répondre à des questions supplémentaires si vous en aviez. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone et je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.